le deuxième. Bon, moi c'est bon. Merci. Salut à tous et bienvenue, je suis LinkLinkS pour vous servir et j'espère que vous allez bien. On se retrouve cet après-midi pour en live prévu mais contenu pas prévu. puisque j'avais envie, voilà, tout simplement, j'avais envie de d'avancer sur Yakuza, donc on va faire un petit live Yakuza cet après-midi. Et puis voilà.
Bah alors la coupure d'hier. Salut SD, évidemment, salut tout le monde. Ça a coupé. non mais Box qui a crash et obligé de. Enfin techniquement il était censé se rallumer toute seule, etc. Mais obligé de l'éteindre manuellement pour la relancer manuellement, etc. Donc après à la tienne. Après je crois que ça a mis un bon 20 minutes à se relancer bien que tout comme il faut. Donc bah vu l'heure je me suis dit tant pis chier. De toute façon je comptais m'arrêter après la mission qu'on a fait hier donc voilà. Et au final, il se pourrait qu'on a un petit peu joué hors live. On est peut-être allé voir un petit peu des. C'était quoi? C'était les titans? Ouais, titans corrosifs. Ah, bah, au secours. Hein. On en a tué deux. Deux grâce. Deux kills. Un grâce à un sacrifice de moi. Deux. Parce que. Grâce à ma frappe orbitale. Voilà, je le dis. Suite en gros, premier titan, parce que bon, c'était techniquement la quête journalière. On s'est dit, bah allez, go, 15 médailles, ça se fait. Et coucou, Juju, comment ça va? Donc on se dit, bah go, allez, avant de s'arrêter, on va se faire ça. Donc, découverte des titans corrosifs. Vous les verrez en live hein, à l'occasion. Je me fais tuer. Bon, bah, on fait la mission, on le croise, donc on y va, on en chie, je me fais tuer. Et donc au moment de raise en fait mon pod tombe en haut d'une montagne. Enfin en haut d'un genre d'un énorme rocher. Donc j'étais tout pépère en haut, plus haut que le titan du coup. J'ai chié, ça me saoule. Il m'énerve celui-là, il me gonfle. Frappe orbitale, que je pose juste en dessous de lui. Bon, il y a peut-être Yura qui tournait autour pour essayer qu'il bouge pas trop. Et du coup, alors là, frappe orbitale, ça l'a tué. La deuxième, enfin le deuxième titan. En vrai, on a eu vague sur vague, on n'arrivait pas. Vraiment, on a galéré. On a galéré comme des cons. Et vous avez vu Mad Max où ça finit en Witness? Et ben, c'est un peu fini pareil. Oh. Oui, je pense. On s'est pris des vagues qui n'en finissaient pas. Et lui en plus. Alors je crois qu'à un moment, il y a eu deux chargeurs en même temps. Un bordel sans nom. Et ça m'a saoulé. J'ai mis frappe orbitale à mes pieds. Ouais, mais ça me saoulait, ok. Frappe orbitale à mes pieds. Pendant que j'avais l'aggro du truc, bah il a pas aimé. Voilà. Non mais un bordel, mais pouah! Je veux bien, si ça t'embête pas. Merci. Oui, bonjour. Donc voilà, bref, bordel. Mais c'était très drôle, hein. C'était très drôle, cela dit. Mais du coup, j'ai un peu hâte qu'on en revoie, que vous voyez le bordel que c'est en live. Donc voilà. Voilà la fin de live d'hier que vous avez pas vu et l'après live. Du coup, cet après-midi, rien à voir. J'ai un peu hésité à relancer le diver, je vous avoue. Mais pour le coup, on va se faire un petit peu de Yakuza, parce que voilà, parce que la détente, parce que le plaisir, parce que j'aime beaucoup ce jeu et que j'ai très envie de continuer depuis une semaine, donc voilà. Il est très possible qu'on y rejoue demain, en fin de soirée. Parce qu'on va faire un début de soirée demain, redécouverte de United Kingdom Penguin. Ou Penguin Kingdom, je sais plus, bref, le city builder à base de pingouins.
Et je pense que si c'est le même principe, enfin, je pense qu'ils ont gardé le même principe en soi, le jeu fonctionne par année. Du coup, je pense qu'on va faire peut-être la première année. Et ensuite, on switchera sur Yakuza. Bref, voilà. Et ce soir, je rappelle, Lethal Company! J'ai hâte! J'ai hâte, j'ai hâte! En plus, ce soir, je vais entendre des voix, ça va être bien! Normalement, ce soir, Lethal Company avec Iselin, Joker et Blue. Ah oui, ce soir, oui! Et j'ai installé le mode pour entendre les voix des PNJ. Enfin, des PNJ, non? PNJ. Maintenant, Blue est un PNJ. Ce n'est plus un bot. Non, bah c'est pas de bourre. Hein. C'est important? C'est pour qu'on récupère une musique pour une vidéo pour un carreau poète. D'accord. Enfin voilà. Du coup, elle va m'envoyer, je récupère et puis. Ok, ça marche. Donc ouais, j'ai installé le mode qui permet aux monstres du jeu de récupérer les voix des autres membres du groupe. Donc, ce soir, il y a des monstres qui vont parler. Et du coup, j'ai vérifié. Je suis allé directement sur la page du mode dans les infos du mode données par le modeur. Et donc ouais, hein, c'est bien un mode que on peut chacun peut mettre ou non. C'est en fonction de si t'as envie d'entendre les voix ou pas. Donc on peut jouer, enfin dans un même groupe, il peut y avoir des gens qui l'ont, des gens qui ne l'ont pas. Et ça n'impacte que ceux qui l'ont, évidemment. Donc voilà. Donc on n'est pas tous obligés de modder le jeu s'il y en a un qui modde le jeu. En tout cas pour ce mode-là. Bref. Voilà. Donc j'ai très hâte. Déjà, j'ai hâte de ce soir. Mais d'abord, Yakuza. Suite de Yakuza, suite de. Oh d'ailleurs, rien à voir. J'ai récupéré une nouvelle clé à tester. voilà. Vous voyez, on n'arrête plus. J'ai un nouveau jeu à tester. On le testera là. Enfin, nouveau. Oh, en soi, je crois qu'il est récent en plus, je sais plus. Mais bref, j'ai un jeu à tester. On le testera, je pense, la semaine prochaine. Et oui, nouveau, il est sorti le 5 mars. Il est sorti il y a 3 jours. Donc voilà. Et en soi, bah, j'ai quasiment jamais testé, enfin, jamais joué à ce genre de jeu. Donc on va voir. Et je pense que vous m'attendez pas sur un jeu de ce genre-là. Bref. Allez, like a dragon, Yakuza, Infinite Wealth. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes remis des émotions d'hier soir. Allez, on va couper la musique comme un sale, hein, comme d'habitude. Ça devient presque une marque de fabrique à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Et laisse gong! Ah, mais ce Helldivers, hein. J'y passerai des heures, hein, clairement. Du coup, je sais pas ce que ça a donné la défense de. Enfin, si ça a bougé la défense de la planète qu'on a eue côté Terminide et le. Et côté Automaton aussi, d'ailleurs. Mais bon, vu la commu, vu le nombre de joueurs dessus, j'imagine que voilà, ça se fait. Ou si c'est pas déjà fait, ça va se faire. C'est très con, mais j'aime tellement cette intro pour le studio. J'aime tellement. Allez! On continue! Bon, on en était. Ah, la manette. Allô, la manette? Merci. On en était au début du chapitre 2. On avait tout juste commencé le chapitre 2. Où on avait. Bah, ça partait dans le délire de. En fait, notre ancien capitaine Yakuza.
était en taule pour un crime qu'il a techniquement pas commis. Il est sorti de taule et en mode, en fait, faut que tu me rendes un service. Et pour ça, faut que tu partes. On imagine à Hawaï, puisque le chapitre s'appelle un truc genre direction Hawaï, ou je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, histoire de se mettre en forme, Petit Combat. Petit Combat pour commencer tranquillement. Bon, tant qu'ils sont paqués, on en profite. C'est la question que je me posais. Est-ce que, voilà, on pouvait faire dégager plusieurs mobs en même temps? Ok, la réponse est oui. Bon, on commence en plus avec un petit level up. Que demander de plus? Et bah très bien. Ah oui, alors le jeu, il me semble que le jeu voulait qu'on prenne le TP, enfin un taxi. En un sens, j'ai envie de dire why not, histoire de voilà. Mais d'un autre côté, je me dis, ce jeu, j'ai pas envie de me TP, moi j'ai envie de me balader. J'ai envie de me balader. Alors techniquement, on est censé aller là, hein, ça c'est loin. J'ai envie de me balader, j'ai envie de. Bah déjà, j'ai envie d'aller voir là. Magasin d'alimentaire. Mais pourquoi c'est marqué avec un t-shirt? On va aller voir. De toute façon, ça peut être sur la route. Hein. Puis on coupe là, on passe là, là, on monte ici. Et GG Justine pour level 38. Ah oui, Jean-Michel Mahjong. Non, pas Mahjong, c'était du Shogi, je crois. Il me semble. Hop, hop, hop. C'est vrai qu'il y a de tout n'importe quoi à rabasser partout ici. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, pour l'instant, c'est du jus de pêche. Hein. Ouais, voilà, tout droit. Ce sera sur ma gauche. Sur ma droite, pardon. Petit combat au passage. Oh, un nouveau skin de méchant. Les têtes brûlées. Oh là. C'est un Molotov qu'il a dans la main. Et c'est un Molotov qu'il a dans la main. Joli Namba. Il enflamme une bouteille. Ok, juste il l'enflamme. Bon bah. Couchez! Oh. Rank up, élégance du héros. Nouvelle compétence. Qu'est-ce que c'est? Raclé, ok. Raid de pigeon. Comment ça? Aptitude. Élégance du héros. Améliore la défense de Kasuga et des alliés. La portée augmente en fonction du style. Ah putain, c'est ça du coup. Ça sert à ça d'augmenter les stats en intel, style et compagnie. Ok. Ok, raclé. Quand un voyou se montre vraiment énervant, inflige des dégâts à un ennemi et applique les attributs de l'arme équipée. D'accord. Faut qu'on voit ce qu'il a comme attribut sur l'arme. Parce que je sais qu'il se bat avec un saucisson, mais bon. Appelez vos alliés à plume pour infliger des dégâts magiques aux ennemis. Applique les attributs de l'arme équipée, d'accord. Là, c'est 30 MP par contre. Hein. Donc on le lance une fois. Actuellement, on peut le lancer une fois. Ah oui, voilà, le chapitre, c'était le paradis à la Hawaïenne. Donc bon, voilà. Et alors du coup, c'est quoi les éléments sur vos armes, vous? Il n'y a pas d'éléments. Enfin, il n'y a pas d'attributs. Voir l'équipement. Ouais, je. Ouais, normalement c'est marqué au-dessus du point à droite, mais là il y a rien. Donc il y a pas d'attribut sur les armes. Donc du coup le marchand était là. Il a géré. Kimchi haut de gamme et broche de sécurité. Augmente la défense de 10, ouais. Arigato. Ok, donc ouais. Donc, c'est ce que je voulais vérifier, le symbole de t-shirt, c'est le symbole des vendeurs.
pas forcément des vendeurs de tenues ou d'armure ou quoi que ce soit. Ok. Bon, on va éviter le combat. Hop, quand même looter. Une assiette en bronze, c'est bien ça. Bon bah lui on pourra pas l'éviter par contre. Les mismates. Sauf si je... Ouais voilà, ça passe. Ça passe, ça passe. Bon bah lui ça passe pas. Ok. Oh vas-y, ça l'a pas tué l'autre derrière. Il s'est décalé. J'y observe les alentours. Ah oh, vas-y, j'étais pas dessus. Non, je veux l'envoyer sur son pote. Non, j'ai pas. Bon, tant pis. Ah, quoique, là. Ah non. Ah si, c'est bon. Oulie. Bon, j'ai hâte qu'on trouve une nouvelle arme, parce que bon... Autant le balai, ça me choque pas trop. Autant la... La matraque saucisson, bon, c'est un peu marrant. Mais la batte de baseball vibro, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. On perd un peu en style, je trouve. On a un peu perdu en style. Donc ce serait bien que voilà, on retrouve quelque chose un peu plus voilà, dans l'idée, j'aimerais bien. Bon, eux vont me saouler, ils vont m'empêcher de loot. Oh! Ah, donc ça attaque en zone les items comme ça. Intéressant à savoir ça. Un petit chat. Petit chien, pardon. Un petit Shiba. Une tourmignon, le pépère. Man. On peut pet the dog. On peut pas pet the dog. Je nul. Désastral. On peut pas pet the dog. Il y avait un truc où j'ai rêvé là. Ah oui, non, il y avait bien un truc. Assiette en fer. Bon, ça fera du pognon. Hein. Par contre, là-bas, il y a des loot. C'est pour ça que je voulais y aller à pied. Hein. Moi, je veux pas prendre un taxi. Après, je pense qu'un de ces quatre, on en prendra un. Voir s'il y a une animation, un truc comme ça. Mais en soi, je préfère largement me balader à pied. Déjà, ça fait faire des combats. Et puis bon, on n'est pas pressé. Chercheur d'herbe. Bah voilà, en plus, on passe un. On gagne de l'XP en style. Alors, faut pas expliquer en quoi ramasser de l'herbe fait que je vais être du style, mais bon. Oh! C'est un paladin! Je pensais bien que ça allait te plaire. Ouais, bah ouais. Oh, il apparaît! Oh, c'est un vrai paladin du coup. Ah ouais, mais il a bonus de défense là. Je sais plus comment ils appellent ça. Tiens, vas-y, défends-toi. Aïe, 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 aïe. Ouais, alors là, va falloir reprendre le. Va falloir reprendre le coup de faire des paras des compagnies. On leur balance des pigeons. On va tester. Alors aptitude, raid de pigeons. Donc c'est une AOE. Très bien. Très bien, très bien. Bon, il y en a deux qui vont pas tarder à level up. En vrai, je ferais bien un petit combat manière. Cela dit, il y a une boutique là, il y a moyen que je vende mes conneries là.
Non, je peux juste acheter. Oh, les onigiri au thon. Oh, les petits pains vapeur là. Oh, les petits pains vapeur à la viande là. Ce jeu va être terrible pour ça. Assortiment de sushi premium. Bon, ça, ça va, je m'en fous un peu. Ah, les petits sandwichs triangles, hein, les fameux. Ça, pour ça, ce jeu va être terrible. Bon, autant en plus dans la semaine, on a mangé Jap avec Hello, donc ça va un peu mieux que la dernière fois. Mais ça n'empêche que voilà, hein, dès que ça va parler de bouffe. En plus, il y a plein de photos de trucs de bouffe et compagnie, donc ça va être terrible. Hein. C'est quoi ici du coup? Non, c'est à côté? Ah, là-haut? Ah oui, là-haut. Qu'est-ce que c'est? Ah! Attends, c'est un... Ah, du poker! Très bien. Adressez-vous à un employé de la table pour jouer, pour aussi jouer avec vos amis sur une table libre. On va parler d'un employé du comptoir pour commander à boire et à manger. D'accord. Changer contre des prix. Voyons un petit peu ce qu'il y a à récupérer. Des cornes de licorne! Batte électrisante. Ah! Ça, c'est déjà plus intéressant, ça! Bon, du café, des trucs, ok. Par contre, ah bah voilà, Yura demandait la dernière fois s'il y avait d'autres bandes originales que Soulakers. Eh bah, bande originale de Persona 4 Golden, 1 et 2. Voilà. Ça coûte combien? Juste, j'ai pas fait gaffe. Ok, 30 jetons, ouais, 60 jetons. 37 000 jetons, le truc de licorne. Ah oui, en même temps, les dégâts sont un peu insane. Ok. Et du coup, il y a quoi à bouffer? Voyons voir. Il a chez moi. Commander à manger dans les restaurants permet de récupérer PVPM ainsi que de renforcer vos liens avec les membres actifs de votre groupe. Lorsque vous commandez certains plats en même temps, vous formez un combo de plans. Un combo de plats, qui peut accorder temporairement des effets bénéfiques en combat. Alors testez différentes combinaisons selon vos envies. De plus, lorsque vous commandez un combo dans certains restaurants, vous pouvez aussi déclencher de belles discussions qui renforceront encore davantage vos liens. Faire plaisir à ses amis ne fait jamais de mal. Maintenant, à vos menus. Alors comment on sait ce qui fait des combos? Les effets de combo de plat changent à chaque restaurant et peuvent s'accumuler jusqu'à 3 fois. Un effet sera utilisé à chaque combat. Lorsque vous commandez à manger, vous pouvez consulter les détails d'un combo de plat en bas à droite de l'écran. Ah, c'est noté, d'accord. Combo de plat pouvoir déclencher une discussion sont indiqués par une icône de bulle. Effet de combo. Ah, là il y a 3 combos possibles de ce que j'en comprends. Oh, des tortillas. Nuggets de poulet, bon ça je m'en fous. Oh des frites, oh de la pizza, oh du curry. Ça y est, c'est terrible. Vodka ginger ale. Mais comment tu sais ce qui fait quoi en fait? Parce que là du coup, est-ce que par exemple genre pizza plus... Ah mais ça c'est pas considéré comme... Attends. Ouais, ça c'est considéré comme une boisson. Mais comment tu sais ce qui fait quoi? Je veux dire, pour l'instant, on a le potentiellement le vendredi tout est permis. Ouais, je veux bien, mais ça demande quoi? Ou alors il faut genre... commander un truc et tester, ce qui est très possible en vrai. Un cocktail au sirop de popcorn? Hein? Bon, mettons. Un cocktail de café et de vodka. Ça va y aller, hein. Avec...
avec des frites, parce que voilà. Et un petit curry. Non, en vrai, pas de frites. Des tortillas, voilà. Itadakimasu. 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 Et du coup, est-ce qu'il y a des animations? Il n'y a pas l'air. Arigatou gozaimashita. Ah, et donc là, on a un effet de statue. Attendez. Est-ce qu'on peut les voir quelque part? Y a pas un menu pour voir les stats du perso, etc. Voilà. Ouais, mais là, il n'y a rien. Ah, et je peux repasser sur les autres jobs, en vrai. D'accord. J'avais pas fait gaffe, ça. Donc là, ouais, chef né, t'es... Enfin, job héros, t'es équilibré en tout. Mais freelance, par contre, tu passes... Ouais, en gros, ouais, ça booste le physique. Les stats physiques. D'accord. Bon, du coup, ce que j'ai pris m'a augmenté ma stat d'ivresse. Mais on n'a pas eu de discussion ou de menu ou quoi que ce soit. Non, bah j'imagine du coup ouais, qu'il faut tester et avoir les bons menus en fait. Ok, bon, on verra à l'occasion. On verra, on verra. Allez, bah du coup on continue le chemin. On continue tranquillement le chemin. Pardon d'en bas. Une mallette devant. Hop, petite mallette devant. Et c'est pour ça que je voulais me balader moi. Ah oui, c'est loin, tout ça, tout ça. Et éventuellement on perd du temps, mais en vrai pas du tout. Eh, c'est pas là qu'on s'était frité avec l'autre débilus Non, ça y ressemble, mais c'est pas là, je pense. C'est par là. C'est quoi? Ah, c'est un marchand. Je l'ai pas vu. Bon, on va aller voir. Médicaments, réparateur, soigne les anomalies de dégâts et restaure 100 PV, d'accord. Anomalie de restriction. Type. Ah bah, ivresse, justement, paralysie. Stun, dodo, et les autres, je sais pas. Ah oui, par contre. Médicament miraculeux coûte 10 000 balles. Ah, c'est des anomalies alimentaires. Ah oui, d'accord, donc il y a les effets de statut, il y a pas mal de trucs différents. On a les anomalies de dégâts, donc là il y a brûlure, poison, saignement. Anomalies de restriction, dont stun et compagnie. Et anomalies alimentaires. Ah, mais en fait c'est toutes. D'accord. En fait c'est toutes, ok. Ah bah oui, du coup on est à Chinatown là. C'était quoi ça? Ah, la fameuse boutique de luxe. Tiens, on va aller voir, je suis curieux. Fameuse boutique de luxe où on a vu Sasaki. C'était bien une mallette que je voyais. Bombe fumigène, bah très bien. Grosse ambiance. Ah, mallette à droite. Loot à gauche. De l'eau minérale qui remet 15 MP et ça je prends.
On va 4 loot à faire. 100 yens, on se prend. 100 yens. Une assiette en carton. Et une assiette en carton. Alors là, on est passé en menace 2, mais je sais pas ce que ça veut dire exactement. Ah, c'est que là, ils sont un peu plus haut level. C'est juste ça, bon, ça va. Avant qu'ils se relèvent, Molly. Bon, les parades, par contre. Ah, bah voilà. Là, les parades, là, on parle. Oh putain, il s'est tourné. Bon, ça va. Voilà, on va y dégager là-bas. Ah, ça le tue pas. Oh, ils mettent cher. Hein. Ils mettent cher. Hein. Ils font tellement de dégâts. Ah putain, c'est tourné. Bon, on va finir lui là qui met masse dégâts. Allez, tu veux pas... Ouais, ou alors recule. Encore, encore un peu, vas-y. Allez, fais pas ton relou. Oh, et Namba qui recule. Tant pis. Mais ouais, ils font mal. Oh bah, level up, donc on va être soigné, c'est parfait. Parfait, parfait. Je me demande qu'est-ce que c'est le level max. En vrai. Que ce soit pour moi ou pour les jobs, hein. Je suis assez curieux. Ouais, donc à la base, je voulais aller là-dedans. En haut, peut-être. C'est pas du tout là, en vrai. Ça ressemble... Eh, quoique... Bah si, c'est là. C'est là. Mais ça a pas de sens. Vu qu'on les voit partir vers la gauche dans la cinématique. Après, il y a peut-être plusieurs boutiques. Non, c'est celle-là. Il manque encore le portefeuille qu'on a volé. Fait que Sasaki a volé. Ceinture luxueuse qui augmente les MP de 10. Hein, ouais. Et ça, ça augmente la défense magique de 10. Ouais, bon, coûte cher pour pas grand chose, on va dire. Ah, poussez-vous! Ça coûte cher pour pas grand chose. Bon, allez, let's go. Donc, ouais, mob, ne serait-ce que un level au-dessus de moi, ils m'ont quand même défoncé. On avait encore de la marge, mais je veux dire, voilà, juste avec de simples attaques, mob 1 level au-dessus, ça déconne moyennement. Ah, c'est quoi devant hein? Je veux une manette. C'est là? Ouais, c'est là. C'est quoi ici? Ah! Bah là, c'est du Mahjong. Allez, Chevron Kasuga, très bien, je vais vous inscrire. Ah oui, des questions au sujet. D'accord, il n'y a rien à acheter. D'accord, c'est juste pour jouer. Au Mahjong. Ouais, très bien, des bisous. Très bien, très bien. Bon, j'aurai pas à faire de Mahjong, ça c'est bien. J'aime pas le Mahjong. Hein? Bon bah let's go. C'était quoi la boutique à côté? Armurier. Armurerie souvenir.
Vas-y, je suis curieux ça par contre. Je suis quand même curieux avant qu'on aille à la quête qui est juste à côté techniquement. Bon, on va peut-être se faire un combat sur le chemin d'ailleurs. Ah oui, on va pas avoir le choix. Allez, tape dans le tas. Boum! Aïe. Allez, dégage sur ton pote, toi. Voilà. En plus, ils sont paralysés, parfait. Voilà. Ouais, non, tant pis. J'espérais y arriver avant qu'il se relève. Mais tant pis. Ok. Allez, bouffe. Et bouffe. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Non, ça c'est de la bouffe. Bracelet fantasy. Qui augmente la magie de 5. Sarashi. 1. Augmente les PV max de 20. Bon, rien de spécial. On s'en fout un peu. Allez. Lieu de la quête. お前とこんな店で飯食う日が来るとはな。てっきり二人きりだと思ってましたけど、エビナが俺につけてる護衛だ。無所入る前は方々に敵作ってたからな。今も俺を恨んでる奴がうようよしてるんだとさ。言われた通りパスポート取ってきましたよ。 ご苦労さん。 それで俺に頼みってのは。ハワイに行ってもらう。そこに。お前、かぶさぼうぜ。セクラー。ハワイに。どれです。お前の母親だよ。はあ？あれか、あの親父がただ一人愛した女性、アカネさんだ。 Mais alors les deux, enfin l'autre qui est considéré comme son frère. お前は本来親父の子、荒川正人として育てられるはずだった人間だ。それが俺の捨てた赤ん坊に取って代わられた。恨みに思うなら好きなだけ言え。お前にはその資格がある。俺には親父が二人います。 ソープランド桃源郷の春日次郎と都政の親荒川真澄、俺にとってはただそれだけです。そうかもな。だが母親についてはどうだ。じゃあその茜さんって人が。お前の母ちゃんだ。いやでも茜さんは殺されたって。 俺は親さんからそう聞いてます。昔親さんが入ってた確か氷川興産って組に追われて、荒川の親父はそう信じてた。
そもそもの発端は氷川興産の組長が自分の娘を荒川の親父に当てがおうとしたことだ。そこまで親父を気に入ってた。組の跡目にするつもりだったのかもな。だがその頃もうとっくに茜さんとできてた親父は恐る恐る組長からの縁談を断った。ええ、すると Hakawa m'a parlé de cette histoire. D'après lui, le patriarche Ikawa était un vrai malade. Il a aussi dit qu'Akane n'a pas survécu, qu'il n'a pas réussi à la protéger. アカネさんが氷川興産に捕まったとは聞いたが、死体を見たわけじゃねえ。無事を信じて探し続けた。氷川の組員をしらみつぶしに締め上げてな。だがその頃にはもう、アカネさん殺しのミッションは組員から外注業者に任されていた。外注業者？プロの殺し屋ってやつだ。もちろん 追跡も仕事に含まれる。氷川の組長が手配したんだ。茜さん一人殺すために。そこまで。ヤクザのメンツを潰すってのはそういうことだ。お前もそんくらいはわかるだろ。だが荒川の親父は彼女を救うために、とうとう氷川興産に乗り込んでった。たった一人でな。 Ouais. Ah, il déconne zéro. たとえ俺が殺しの依頼を果たされる。殺し屋に任務は中止だと伝えてください。できねえ相談だ。もう遅え。てめえは後戻りできる一線をとっくに越えちまってんだよ。荒川！茜は
どこにいる。もう日本を出て向かった先はフィリピンだ。小さい怪しげな貨物船に潜り込んだんだとさ。何の捨て物女が大した金もなく密航だなんてな。そういう時見返りは何だと思う。海にいる間中ずっと<笑>船員たちの慰みもんにされる。 この野郎。ご主人に電話しろ。任務は中止だと伝えろ。引け。いい顔じゃねえか荒川。俺な、ずっとお前のその顔が見たかったんだよ。 殺し屋に電話するな。ああ、ウチ。今頃あの女はどうしてるだろうな。ああ、ウチ。親父は氷川組長が死ぬまで拷問を続けたそうだ。 だが、最後の最後で組長は笑い続けてたとさ。ハウチ。結局、<笑>ノミレドアノーノーセノン。殺し屋を止めたくたって連絡のつけようもない。けど、フィリピンに向かったってことは分かったんだ。なら何か手の打ちようがあったんじゃ。 もちろん親父はすぐにフィリピンに飛んだし、自分の組を立ち上げた後は子分なりも探させた。だが手がかりはつかめず、そのまま何年も経っちまった。もし茜さんが無事生きてりゃ、何か親父に連絡してきたろう。だとしたらつまり、もう手遅れなんだろうと誰もが考えていた。 Ah, mais c'est fou comme à chaque fois, dès qu'on voit ça à Washiro, j'ai l'impression de voir Kazuya, hein, c'est fou. Kazuya de Tekken, je précise. Toji, Oretachi ga oyaji ni motasareta Agarin-san no shashin da. Mita koto nee daro. Kono hito ga... Akane-san. On sent l'avoir après tout ce temps. La femme dont le boss était amoureux. Akane-san a 消息を絶って 10年も経ったある日, 親父に知らせが入った。 取引のあった フィリピンマフィアの幹部からだ。ハワイで茜さんらしき人を見たと。ってことはフィリピンからいつの間にか故郷に移ってた。ああ、もちろんそっちも前から組で調べちゃいたんだが、茜さんの生まれがハワイのどこそこってとこまでは親父も知らなかったんでな、網に引っかからなかったんだろう。それで 確かめに行ったんですね、茜さんのことを。知らせを受けた後、すぐに現地へ飛んだ。ただし、親父は行かずに俺一人で。え？なんで？親父が自分で行かなかったのは、言葉を選ばずに言えば、きっと怖かったんだろう。それまでだって情報が来るたびに 希望を打ち砕かれてきた。脈のありそうな時ほどガセだと分かった時のダメージはでかかった。なるほど、確かに。そして俺は
あかねさんを見つけた。正真正銘、本人に間違いなかった。無事でいたってことですか。そうだな。平穏に暮らしてた。けどな、それは俺には実に都合の悪い状況だった。え？もし晴れて親父の元に戻れば、 あかねさんは自分の子供を目にすることになる。コインロッカーの受け渡しに失敗して、体に障害を抱えちまった赤ん坊の成長した姿だ。初めは再会できただけで十分だというかもしれない。それでも、なんでそんなことになっちまったか、原因を突き止めようとするだろう。いずれ、親父とあかねさんは、お互いの記憶を細かく突き合わせていく。 すると、それぞれ違うロッカーで赤ん坊を受け渡してたと気づく。二人はその時、今まで自分たちのことを信じてきた荒川雅人、若をどう扱う？そりゃ、実際どうなるかは誰にもわからない。わあ、それはパーフォーマンスも良かった。 何もかも今まで通り、俺や若が破滅することはねえ。じゃあ、まさか頭は茜さんのことを。そうだ、俺は茜さんを殺すつもりだった。 J'allais dire pour s'assurer qu'elle revienne pas, mais oui, ça revient au même au final. さすがに俺も震えたよ。親父の愛した人を始末するってんだからな。だが、彼女の一言のおかげで、俺は手を汚さずに済んだ。私は死んだことにしてください。ハワイに茜さんの子供たちが。考えてみりゃ。 驚くことでもねえ。殺し屋に追われる逃亡生活でずっと親父と連絡を取ることもできずにいた。そんな中で、あかねさんがどんな人生を選択しようと誰に責められる。俺は彼女の希望通り、あかねさんは死んでいたと親父に報告した。 親父の口から彼女の話を聞くこともなくなった。その後も俺は細々とだが、あかねさんと連絡を取ってた。彼女が妙な里心を犯さねえよ、コントロールする必要があったからな。あんたってやつはどこまでも。けど、この件については、あかねさんが言い出したことでもある。あんたの行動が全部間違ってたとは言わねえよ。だが、 4年前に親父が死んで、俺がムショに入ってから状況が変わった。あかねさんには包み隠さず、すべて白状する手紙を送った。俺が親父を裏切ったことも、総武育ちのカスが一番があかねさんの産んだ子だってことも、皮肉な話だ。親父が死んだことで、ようやく俺もあかねさんも、 自由になることができた。<笑>それでな、一、あかねさんが今になってお前に会いたいと言ってる。あかねさんが俺に。あかねさんのハワイの住所がこいつに書いてある。あかねさんからの手紙ですか。
封筒だけだ。手紙は俺と茜さんとのやり取りだからな。お前には見せらんねえ。まあ、そうっすね。40過ぎて見たこともねえ母ちゃんに会えって言われても、言ってこねえだろう。でも、茜さんももう年だ。思い残すことなく行かせてやんのが息子の務めってもんだろう。そりゃこいつは俺がやるべき罪滅ぼしの一つだ。ハワイ行きのチケットはこっちで用意する。出発は明日の夜だ。あとはお前の気持ち次第だよ。どうだ、俺のためじゃねえ、茜さんのために会いに行っちゃくれねえか。一かしら頼む。あんたが俺に頭下げる日が来るなんて思ってませんでしたよ。わかりました、会いに行きますよ、茜さんに。もし断ったらぶっ殺したとこだ。Ah, puis c'est l'occasion d'aller à Hawaï. Oh. Content de te voir en un seul morceau. Hein? M'attendiez? Non, bah s'inquiéter pour toi. Moi, je m'en fiche, j'allais partir. Non, mais l'autre, j'allais dire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il te voulait, Sawashiro? Oh. À ce propos, les choses se sont un peu compliquées. Tu m'en diras tant. Si on allait au Survive alors. Non. Oh. Ouais, bonne idée. On va retraverser toute la ville là. Relever l'appareil photo du téléphone. Oh. Oh, secours. Oh, à l'aide. Ok. Ah, on peut faire un selfie, très bien. C'est quoi ça? Ouais. Les filles, etc. Très bien. Ah, ok. Ok, ok. Bon, bah écoutez, let's go. Tinkyon a été libéré, on va voir les mechas. Oh, nice ça. Oui, désolé, hein, j'ai pas réagi pendant la cinématique parce que bon, on a eu plein de trucs là. du coup, en vrai, tiens, on va aller voir Taxi pour voir. 1000 yens. Non mais c'est 1100 yens chaque fois ou... Ouais. On va en prendre une fois, histoire d'eux, et voir ce que ça fait. Est-ce qu'on a une animation ou quoi que ce soit, on va voir. Pas du tout. Je m'y attendais un peu à vrai dire. Bon bah... Il est temps de voir ce qu'on fait. Soka. Bon, pas de doublage, tant pis. Je vois, Narakawa n'a jamais su qu'Akane était saine et sauve. Peut-être pas, mais on dirait que c'était la seule solution. D'autant qu'Akane ne voulait pas qu'Arakawa soit au courant, donc bon... Ah. Ouais, mais ça a changé à la mort du chef. Sans ça, elle n'aurait peut-être jamais voulu me voir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu comptes partir pour Hawaï? Oh! Bien sûr! Mais pas tant pour rencontrer ma mère, que pour présenter mes hommages au grand amour du chef. C'est un peu mon devoir, tu vois. Oh! Je parie qu'elle serait heureuse de rencontrer enfin son fils après toutes ces années, surtout vu son âge. Une minute. T'as encore jamais quitté le pays ici? Oh! Ce sera la première fois. Ce qui est bien, c'est que j'ai déjà mes billets. Le capitaine Sawashiro s'occupe de tout. J'imagine que j'aurai plus qu'à prendre un taxi et en avant. Ah. Mais tu devrais trouver des gens qui parlent japonais dans les endroits touristiques. Oh, sérieux? Mais pas mal de japonais sont installés là-bas au fil du temps.
Honnêtement, parle de voyage à l'étranger aux gens de mon âge, c'est Hawaï qui penseront en premier. Tu te souviens des vieux jeux télé? Le premier prix, c'était souvent un voyage là-bas pour deux. Oh, partir à deux en vacances à Hawaï? J'étais sûr! Je l'ai vu venir quand il a dit ouais, partir à deux, je l'ai vu venir à des kilomètres. Et si tu y allais avec Sae, ça serait vachement bien, non? Elle serait jamais d'accord. Ah, vous êtes toujours pas rabiboché. Le message que je lui ai envoyé l'année dernière est toujours en non lu. Et tu t'es pas posé une question, ça fait un an que t'as pas de nouvelles? Ouais, sans déconner. Ah, est-ce que je me suis planté? Bon, à peu près partout. Mata. J'ai loupé une occasion de me taire, moi. On oublie? Eh ouais, j'y pense. Tu vas faire ta valise, non? Oh. C'est vrai ça. Il faut que tu te prépares pour ton grand voyage. Et il faut que tu saches deux trois choses avant de partir. Comme te méfier des taxis blancs. Les Japonais se font souvent avoir parce qu'on nous prend pour des abrutis et des faibles. Oh. Ok, pas de taxi blanc donc. Ah, et autre chose. Quoi? Ah. Avant de partir, ça pourrait être pas mal de te rendre sur la tombe d'Arakawa, non? T'as raison, je devrais probablement m'y rendre. Ouais, hein. Pourquoi? Très bien, on ira tous ensemble demain matin alors. Mais là, il est temps d'aller dormir. Et ça rime à rien de broyer du noir, hein, t'inquiète, on sera tous les trois. Arigato. Ouais, merci. Mais genre, ça fait un an qu'il a pas de nouvelles de Sae et Non. Ok. Alors on y va. Et maintenant que j'y pense, c'est la première fois que je viens sur la tombe d'Arakawa. Ouais, pareil pour moi. Non. Ça fait un bail que j'y suis pas allé moi-même. Attendez, je vais nous trouver un taxi. C'est un taxi qui paye, que je paye ou c'est un taxi en scénarium? Vous pouvez utiliser vos CD pour playlist et vos lieux de rencontre. Ah oui, d'ailleurs, tiens. Alors attendez, c'était comment déjà? C'était. Oui, c'était là. C'était là. On avait tout ajouté? Ah non, on a des nouveaux. Ah, on a l'épisode 2 de ça. Et on peut en mettre combien? Ah, on peut en mettre que 10, sérieux? Lui. Bon, du coup, ça, on va l'enlever parce que. Oh. En soi, c'est sympa hein, de pouvoir avoir des radios japonaises et compagnie, mais ça aurait été bien qu'on ait des sous-titres. Parce qu'on va pas dire que mon niveau de japonais est plus qu'approximatif, mais bon. Ah, prends une mallette avant de partir. Hop. Bon, de toute façon, le jeu veut que je prenne le taxi. Le taxi me reviendra à 500 yens. Vas-y, je ferais bien d'aller présenter mes respects au boss. Et c'est où? Comment je sais où est-ce qu'il faut que j'aille? Il est où le cimetière? Parc, parc. Comment je sais? Vous êtes bien gentils, les gars, mais si vous me mettez pas le point de. Le point d'arrivée, comment je sais où je vais? D'ailleurs, vu qu'il a parlé de ça tout à l'heure, tiens, voyons voir. Est-ce que là, ça a mis des nouveautés? C'est déjà lié. Non, pas de nouveautés. Mais comment je sais? Ah putain, c'est marqué, je l'avais pas vu. J'avais pas vu que c'était marqué là. En route!
Arakawa, Akane-san が生きてることも、お前が実の息子だってことも、知らずじまいだったんだよな。おやっさんとの血のつながりについちゃ、本当のところはわからねえ。つか、そこはどうだっていいんだ。ん？おやっさんにとって俺は俺でしかねえし、俺にとってのおやっさんもそうだ。血のつながりがあってもなくても、何も変わりやしねえ。だから DNA 鑑定しねえのか。俺だったら正直はっきりさせてえと思うけどな。俺の父親は二人、ここに眠ってるおやっさんと、誰のことも知れない俺を育ててくれた春日次郎、それだけ分かってりゃ十分なんだ。そうか。お前そういうところは頑固だよな。あ、なんだそりゃ。ああ、中におやっさんの遺灰が入ってるんだ。おお、そんなもん作ってたのか。茜さんに渡してあげたくてね。もちろん受け取ってくれるならだけどよ。それでお前素直にハワイへ行く気になったのか。かもな。おやっさんも喜んでくれるんじゃねえかと思ってさ。ね、どうすかね、おやっさん。Bah, je peux pas faire attendre Adachi et Namba. Il faut que j'aille à la gare pour choper un taxi pour l'aéroport. Et... Je suis désolé, mais... Il n'y a aucune info de cette depuis un an et il fait rien. Qu'est-ce que... Hein? Doushita, Nanshi? Qu'est-ce que quoi? Je suis un de Zarigani no Nanshi. Mai ni iroiro atte homeless ni kuware sou ni natte no tasukete irai...俺と一緒にいる。ナンバが悪ふざけて土鍋に入れたら、すっかり気に入ったらしく。今はそこが何し。Je me disais bien que c'était trop sérieux depuis à peu près de trop longtemps depuis trop longtemps. そうだ。ハワイに行くならナンシーを誰かに預けないとな。でも誰か世話してくれる人か。うん。足立さんとかに頼んで。ん？嫌なのか？でも俺のハワイ行きが長引いたらナンシー冷やがるかもしれねえし。ああ、envie de voir Hawaii hein。たく、わかったよ。相棒だもんな。おめえも一緒にハワイ行くか。よしよし。C'était évidemment trop sérieux depuis trop longtemps。騒がないでいい子にしててくれよ、ナンシー。Je vais même pas poser de questions. Ça vaut même pas le coup que je pose des questions. Oh, Alad. Non. C'est Jimon seconde génération. Nanda, quoi ?変質者だな。この町はこういうイカれたやつもたくさんいる。忘れたのか。いや、そうだったね。よっしゃ、やるぞ。おうよ。ショータイム。やってやろうぜ。出番が来たな。Ouais. Apparemment, c'était beaucoup trop sérieux depuis beaucoup trop longtemps. Allez, coucher! Et en plus, paralysie, parfait. Coucher, on a dit! Allez, parfait, ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Allez, voilà. L'envoyer sur les autres.
Ouf. Dans la nuque. Bon, évidemment, il paye que dalle. Mais what the fuck? まったく何が楽しいんだこいつ。相変わらず、どん底の街だな、ここは。ほう、コウモリ男か。変わらず、筋門登録に励んでくれているようだな、春日。感謝するぞ。お久しぶりだな。あんたは誰だっけ? Bon, j'imagine qu'il était dans le précédent. オレだよ、オレ。ドクター森笠。通称スジモン博士だよ。冗談だよ。覚えてるって。久しぶりだな、スジモン博士。スジモン博士?春日の知り合いか。足立さんも会ったことあるだろう。一緒に雑居ビルに入ってるスジモンセンターへ行ったじゃねえか。全然覚えてねえ。 可愛いことの思い出なら忘れない自信があるんだな。まあいいや。この人はスジモン博士っていうスジモンの研究をしてる怪しい人だ。俺はこの博士からスジモンのデータを集める協力を依頼されていたんだ。あ、そうか、そのスジモンとはそのスジのもの、という意味だ。 スジのもの、スジモン。スジモン。うん。は、は。ま、要は危険な人間のことだな。これは下手に絡んだらボコボコにされるような危険な人間をスジモンと呼んでるんだ。なんだか語呂もいいしな。全ては、この世界の平和のために。平和? この世界、特にこの異人町は危険な人間が山ほどいる。チンピラから変質者まで山ほどな。だから俺はデータを集めて誰が危ないのかをしっかり定義することで一般人が危険な目に遭う確率を減らしたいと。 Attends, le mec en fait, il fait un Pokédex des mecs chelous. ああ、たらえぞ、ベクデアヤクーラン、フランシュボン。それで、カスガ。スジモンデータ収集は、相変わらず続けてくれているのか。で、あ、ああ。怪しいな。さ、スジデックスは、セリタラルモンサ。スマホ貸してみろよ。わあ、モンテレフォン。ちょっと。おい、お前、俺のスジモン図鑑アプリ、アンインストールしてるじゃねえか。 Le Sujidex a été réinstallé sur le smartphone de Kasuga. Le Sujidex est une application qui enregistre des données sur des personnages dangereux de la ville appelés Sujimon. Étudiez leurs faiblesses, leurs résistances et leurs aptitudes pour vous préparer au prochain combat. Il suffit de vaincre un Sujimon pour obtenir ces données, mais si vous perdez le combat ou si vous échappez, l'entrée sera incomplète. めんどくせえな。頼むよ。この町の平和のためなんだからな。あ、でも俺もうすぐハワイに行くんだよ。海外でもこのアプリ使えるのか。ああ、使えるが。お前ハワイ行くのか。なんでまた。 パーダン、アメン。いや、ちょっとやることがあったな。ハワイって言ったら、スジモンのメッカと言われてる場所だぞ。え?パラディでメッカショルー、トレビアン。おお、最高の南国リゾートだが、裏には野蛮な奴も多い。日本にはいないような種類のスジモンが山ほどいるはずだ。それに、スジモンたちを使った、 とある大会も開催されている。とある大会?まあ、それはいつか時が来たら話すよ。とにかく、ハワイでもスジモンデータ収集をよろしく頼むぞ。目指すぞ、スジモンマスター。わかったよ。それじゃな、博士。ああ。
Pokémon en PLS. Masaka, Hawaii ni iku to wa. Kore wa ano innen o harasu. Oh, je veux faire cette quête là. Aïe 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 aïe. Bah oui, du coup, je comprends beaucoup mieux ce Digimon deuxième génération. Hein, ouais, on est sur la deuxième génération de ce Digimon. Très bien. Et du coup, voyons voir. Bon, ce Gidex. Il y en a 317. Ah ouais, mais du coup, en vrai c'est juste les combats. Les différents combats qu'on a pu faire, non? Non? Ah, c'est pas. C'est que les. Attends, c'est les boss, c'est quoi? C'est. Attends, faudrait qu'on fasse un combat à la con là. Genre eux là devant. Est-ce que ça les ajoute ou est-ce que c'est vraiment certains mobs particuliers? Ah, mec huilé, au secours. Allez, tourne encore un peu. Non, bouge pas, pépère! Bon, vas-y. Oh, oui, bah, de toute façon. Ah oui, bah, level 4 en plus, oui, bah, je n'aime pas. Voilà, j'ai ma réponse. Donc, du coup. C'est. Ouais, donc, d'accord, c'est juste les. Les différents mobs du jeu, en gros, hein. Si je comprends bien, hein, je. Au secours. Et donc, il y en a. 278 mecs au Japon. 281 à Hawaï. Mais est-ce que c'est. Oui, et un total, du coup, parce que, ouais, du coup, il y en a qui sont des deux côtés, hein, j'imagine. Puisqu'on a un maximum à 317. D'accord. Ok, c'est extrêmement chelou, mais pourquoi pas. Du coup, c'est con que les mecs que tu as déjà affrontés, enfin les mobs que tu as déjà affrontés, ne soient pas déjà dedans. Ne serait-ce que en mode, t'as pas toutes les infos au pire, mais... C'est dommage. Oh, il a 2 PV, vas-y. Ouf. Ok, ok, ok. Parce que du coup, le boxeur là qu'on a affronté quand il était avec les petites frappes là qui nous ont filmé, lui il y est. Sasaki aussi. Mais par exemple, le boss qu'on a eu quand on a fait le QG Yakuza, lui on l'a pas. Je sais pas. Alors là, c'était deux punks. Mais c'était deux punks avec des skins différents, du coup. Est-ce que ça fait deux entrées ou pas? Non, c'est juste voyou. Ok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, tête. Yo. Urié. Doulié. Ah, j'en ai pas avec lui, dommage. Bon, il va à l'OS. Ouais. Héros acclamé. Moi, j'imagine soit le nombre de mecs tués, soit le nombre de combats. Location pas chère à Yokohama. Eh bien, bon courage. Bah, du coup, on va faire des combats, hein. Excusez-moi, mais on va se balader dans les hautes herbes, tout ça. Hein. Ah, boxeur, on a déjà du coup. Ouais, dégage. Ouais. T'as mis du coup, on peut y aller dans le métro? Oh. Ah non! Oh, c'est nul! Ouais, on va aller faire le combat là-bas.
toute façon, c'est globalement. Ouais, c'est à côté donc. On va aller faire ce combat et puis après. On décale sur la gauche. Après, je sais pas s'il y a un truc qui fait que tel PNJ, enfin tel mec qu'on croise va se transformer en tel. J'allais dire en tel mob de combat. Parce que là, il y a des trucs particuliers. Ou est-ce que c'est random et quel cas, bah du coup, bonne chance quoi. Oh, ça les heal. Couché. T'as ce coup de balai quoi. Bon. Ah oui, en plus ça attaque par derrière. Avec le bonus de dégâts. Trop tôt. Trop tôt, trop tôt. Non, tourne pas, tourne pas. Voilà, nickel. Ouais, pas assez loin. Bon bah nickel. Nickel, nickel. Bon bah direction le... l'aéroport, enfin en tout cas le taxi. Mais je suis déçu qu'il ait pas, ne serait-ce qu'envoyé un message à Saeko pour lui dire voilà je me casse.日帰り温泉に行くんじゃねえんだぞ。向こうで何泊かするんだろう。着替えとか持ってんのか。足りなくなったら向こうで買うよ。荷物が多いのは苦手でさ。しかし、ホームレスだった俺らが着替えの心配か。確かに、偉くなったもんだ。お前も気分転換にはいい機会かもしれん。なるべくゆっくりしてこいよ。 Bon, ça veut dire qu'on retourne tout seul. On se retrouve tout seul pour les futurs combats. Adachi et Namba ont quitté le groupe. En effet. Trop stylé. On behalf of all of our crew, thank you for choosing to fly with us today. We hope to see you again soon. いた。すいません。大丈夫。すいません。ちょっと失礼します。ねえ。ちょっといいかい？こういう時は遠慮しねえで、ズボンのベルトを持つといいんだよ。相撲の回しみたいに掴んで。 いや、出過ぎた真似しちまったね。ご親切にありがとうございます。慣れていらっしゃるんですね。まあ、昔車椅子のダチがいたもんだよ。ああ、それでですか。あんたは観光かい？そうですね。ええ。そっか。お互い楽しめるといいな。じゃあ、そちらこそ。 Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Yoi tabi yo tte imi desu. Oh. Bon voyage.
Et bah c'est calme. Ce serait bien si le chauffeur de taxi parlait japonais. L'argent de Kasuga a été converti en dollars américains. Désormais, l'argent obtenu sera automatiquement converti si nécessaire. Le taux de change est de 100 yens pour 1 dollar. Du coup, on est à combien là? Objet, je crois. Non, je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Et. Ah oui! Ah, j'ai 390 dollars! Super! Ok, bon, pour l'instant, on ne voit que ça. On va dire lui. Allô? Eh oh. Hey, je peux vous poser une question? Oh. Bien sûr, en quoi puis-je vous aider? Vous voulez bien jeter un œil à ça? Si il arrive à comprendre ça, on peut supposer qu'il parle japonais. Oh, c'est du japonais? Qu'est-ce que ça dit? Ah, laissez tomber. Désolé de vous avoir dérangé. Bah, ça devrait pas être si difficile de se déplacer. Ce serait bien si le chauffeur de taxi parlait japonais par contre. Hey. Bon, du coup, j'imagine qu'il parlait en anglais. En anglais dans le texte, comment on dirait? Toi! Eh oh! Utsugo? Oh! Kachiwa! Vous êtes japonais, non? Vous me comprenez? Ok, est-ce que vous pouvez lire ça? Espérons qu'il sache suffisamment parler japonais pour tenir une conversation. Désolé, mon japonais est vraiment mauvais. Hein. Eh mince, vous n'arrivez pas à lire, hein? Trop difficile. Essayez peut-être un autre taxi. Arigato. Compris, je continue à chercher. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Pas de problème. Ouais, alors là, il est. Michel est. bras croisés en train de foutre. Je pense que voilà, on est plutôt bien. Bon, bah, il fallait évidemment que ce soit le dernier que j'allais tester. Hein. Bavard 10 sur 30, d'accord. Ah! Ah, lui, c'est un bon, lui. Aloha. Aloha. Kore nan dakedo yo. Nihongo hanaseru kai? Oh, yometa? Nihon kara kita no? Daijoubu da yo. Sa, notte. C'est quoi ce regard là? Pourquoi le jeu insiste autant sur lui là? お客さん、日本から来たんだよね。俺も一度行ってみたいんだよね。日本人の客みんなにそう言ってんのかい？営業トークじゃないよ。本当にそう思ってんだ。日本はいい国、治安はいいし、飯もうまい。 ああ。でもそれこそハワイなんて地上の楽園ってイメージだけどな。一年中あったかいのはいいけど、まあハワイにもいろいろあるよ。ほう。そうなのか。実際ハワイじゃ日本人が人気だよ。いいお客さんだからね。昔はもっとたくさん来てた。あんたも今度は友達連れて大勢で来てよ。まあ。 今回はちょっと訳ありの旅だからな。それにしても、うんちゃん陽気だね。南国気質ってやつか？うん、よく言われるんだ、ノリが軽いって。
けど俺も日系だからね。親父が日本人なんだ。そうなのか。で、母ちゃんがこっちの人？そう。そっか。じゃあ、俺と一緒だな。へえ、そうなの？ああ。俺もこの前聞かされたばかりなんだけどよ。Il est un peu chelou quand même. Na, saki no futo, mou i pen kashite kureru? Jūshō mitai nda kedo. Na? Ah. Totalement chelou. Mou tsuku no ka?日本で調べたときはもっと郊外だと思ってたんだけど。へえ、そっか。そのくらいは調べてきてたのか。Évidemment. Molina. Je l'avais dit. いやだから日本人大好き。ちょっとチヤホヤするだけでコロッと信用してくれるからな。手は挙げた方がいいのかい？いいよ、おとなしくしてりゃそのままで。まずは財布とスマホを出すんだ。言うこと聞かなきゃどうなるかわかるよな。撃つってのか？あんたが俺を？当たり前だろ。そうは思えねえから聞いてんだい。あ？確かにアメリカは銃社会って言うよな。でも面と向かって引き金引くってことがどういうことか分かってるやつはそういねえだろうよ。だったらなんだよ。あ、おい、撃つって腹決めてるやつは目を見りゃわかる。多分あんたも経験すりゃわかる。Par contre, s'il pouvait me rendre l'enveloppe. 平和ボケの日本人が反撃してくるなんて驚いたろ。いい勉強になったんじゃねえか。な、舐めやがって。いい気になってんじゃねえぞ、この野郎。Ah. Tu veux pas me rendre mon enveloppe? Choc de batterie. Ah ouais. Ah, tu veux jouer? Eh bien écoute, on va jouer. Allez, paralysie. Ouais, il s'en fout. Non mais... Voilà. Nickel. Voilà. Non mais... Pas se laisser regarder non plus, et oh. Clé du coffre, oh. Nickel. C'est bon, tu fais plus ton malin? ちゃんと仕事してくれりゃチップも弾んだのによ。悪いが金は払わねえぞ。封筒返してくれや。封筒？住所書いてるやつだ。ああ、あれか。Il l'a jeté par la fenêtre. なんだ？自首でもするつもりか？捕まるのはお前だ。はあ？
Ah l'enfoiré. Nanno Hanashi de Scané. Taxi Goto-san. Nandato? Officer help! I'm beloved! This hoodlum wanted money. And she pointed a gun light at me. Oi oi! Mamma to soits no yukoto, mani ukete masen? All right, smart guy. Put your hands in the air and turn around. Wakatta. Chotto matte kure. Get on your knees. Right now. Ima setsumei suru. Ora, Hawaii ni tsuita bakka da. Gotou ja nee tte. Yeah, unless that scumbag. I'm pissing myself over here. Nanda ore ga? Sana miyagarette nda. How the officer? Huh? That man is not safe. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon voyage, non, Nietzsche! Who you should be arresting is the driver. He is a real thief. And if you need proof, I recorded the whole thing. Mon adresse, merde! Taskatta ze. Ayaoku Hawaii ni kita totan, butabako iku toko datte. Honto, sainan deshita ne. Watashi mo odorokimashita. Demo, niisan wa nande koko ni? Iya, anata wo oikakete itan desu. Ore wo? Eh, kūkō o deta toko de, yabai takushi ni notte iru no o mikaketa kara. やばいタクシーって見ただけでわかるもんなのか。実は私こっちの生まれで、それでなんとなく見当がつくんです。観光客をかもろうとしている人って。さっきのやつがまさにそうだったってことか。別に確信があったわけじゃないんですけど、あなたにはすごく親切にしてもらいましたから、万が一のことがあったらと思ったら放っておけなくて。ありがとな。おかげで本当に助かった。俺は春日ってんだ。春日一番。春日さん、私は三田村と言います。三田村英二です。へえ、いい名前だな。春日さんはどちらまで行くつもりだったんです？あ、そうだ。やべえぞ。封筒に住所が書いてあったのに。封筒って。もしかしてさっきの運転手が飲み込んだやつですか？Tu l'as pas sur ton appareil photo, tout hasard, hein? Sans elle, impossible de retrouver l'adresse d'Akane. Je m'en fais tout ce chemin pour rien. 他にアドレスを控えたりは？いや、まさかあんな大事なもんなくすと思ってねえからよ。そうですか。あ、ちょっと待ってください。もしかしたら。ん？もしかすると、なんとかなるかもしれないです。え、本当かよ。さっき私が取った中に春日さんの手紙も写っています。荒くて読めませんけど、ちょっとデータをいじれば多分。住所がわかる？大丈夫だと思います。頼んでいいのかい？もちろん、これも何かのご縁です。ただ PC での作業が必要で、一緒に私の宿泊先まで来てもらっていいですか？もちろんだ。オンに切るぜ、エイちゃん。エイちゃん？エイジだろ。だからエイちゃんよ。あ、ちょいと慣れ慣れしかったか。いえ、あだ名で呼ばれるなんて久しぶりで。じゃあ行きましょうか。Eh oui. Sora Kasuga-san, on a cassé des masses. Ah, soya, kotchi kite kara nani mo kutte nakatta na. Iwarete hara ga hette kita wa. Deshitara, chotto tabete ikimasen ka? Watashi mo shokuji ga mara datta node. Ah, ii ne. Hawaii no meshi ka. Tanoshimi da ze.
前に行ってた店があるんです。よかったらそこへ行きましょう。春日さんは苦手なものとかないですか？どんなんでもウェルカムだよ。お前は何出してもうまそうに食うなってよく言われる。安心しました。おう、Aちゃんおすすめの店なら期待しかねえぜ。ただあんまり高いとこだとちょっと懐具合が。ほら、カメラ、カルムト。ご心配なく。 極庶民的な店ですよ。それよかった。旅行ってのはいいよな。こういう新しい出会いがある。いきなり出くわした強盗でなきゃもっとよかったけどよ。ですよね。でも本当にめったにあることじゃないんです。そういやあの強盗どうなったかな。 警察に撃ち殺されたりしてねえか。あんな奴のこと心配するんですか。いや、根っからの悪党ってわけでもなさそうだったからよ。すごいですね、春日さんは。Ah, il avait juste l'air un peu con. Pourquoi il y a une poule? そうかい。ハワイの開放感でオーラから気持ちになってんのかもな。 Attends, c'est ça le truc sans prétention ou... Aloha Beach. Kasuga-san, wa Hawaii no ryori to ittara mazu nani o omoi ukabemasu? Sou da na. Rokomoko dakke ka. Are wa kiita koto aru na. ご飯にハンバーグと目玉焼き乗っけるんだろ。ごちそうすぎて恐れ多いぜ。美味しいですよね。最近はハンバーグ以外にもチキンだったりマヒマヒを乗せたりもするんですよ。マヒマヒ？白身魚です。大きいと2メートルくらいある魚で。あ、おい。おお、グロペペア。やすげえな。ハワイの名物ってわけかい。そんなでけえ魚釣ったら。 いい土産話になりそうだな。間違いないですね。そういえば春日さんはどれくらいハワイにいるんですか。どうかな、まだ決めてないんだけど、あんまり長いはしねえと思う。観光目的ってわけでもねえんだい。あ、そうなんですか。じゃあお仕事で。いや、仕事でもなくてさ。え、ここまで来たら行っちまうけどよ。 俺が赤ん坊の頃、生き別れになった母ちゃんってのがハワイにいるらしくてさ、その人に会いに来たんだ。生き別れ？嘘みてえな話だろ。自分でも全然ピンとこなくてよ。まあ確かになかなか実感は湧きづらいでしょうね。あ、じゃあさっきの封筒に書いてあった住所が。まあ、お母さんも。そうなんだよ。 まさか強盗に飲み込まれるとはな。なんとも波乱万丈ですね。<笑>でも捨てる神あれば拾う神ありってやつだ。おかげでこうやって新しいダチと飯を食えてる。ダチって私のことですか。エイちゃんが迷惑でなきゃ俺はとっくにそのつもりだぜ。春日さん、 じゃあ住所の復元は絶対に成功させないとですね。新しいダッチの頼みですから。頼りにしてるぜ。Oh, ce petit coucher de soleil sur la plage à Hawaï. On se met bien. Arigato. C'était génial. J'adorerais revenir quand ce sera un peu tassé. Je suis content que ça t'ait plu. Par contre, le fauteuil roulant dans le sable, ça doit pas être genre une horreur. Regarde un peu cette vue. Tout ce que je vois habituellement sont des canalisations d'eau usée, alors ça me change. Ouais, on apprécie d'autant plus cette vue après être parti. Avant, je la prenais pour acquise. Oh, c'est vrai que t'as grandi dans le coin. Tu rends visite à ta famille? Ouais. On peut dire ça, ouais. C'est toujours bien de rester en contact. Oh.
Mais à force, ça doit coûter un bras en billets d'avion, tous ces allers-retours à Hawaï, non? Carrément. D'ailleurs, je vais devoir mettre un sacré coup de collier au boulot le mois prochain. Oh, t'as un boulot plutôt flexible? Je suis ingénieur freelance. Je travaillais à temps plein dans une entreprise, mais j'ai eu un peu de mal à rester dans le coin quand je me suis retrouvé cloué dans ce fauteuil. Je comprends. Quand t'as des freelances, on peut tout faire de chez soi, donc c'est un peu plus libérateur. Ingénieur freelance, j'espère que t'es payé à la hauteur de tes compétences. Tu connais le métier? Bah, j'ai bossé à Yellow Work à Yokohama. Mais je me suis rapidement fait virer. Tu quoi? Bah, y a pas de réponse facile à ça, j'imagine. Ah, t'inquiète, tout va bien. Bah non, c'est pas ça, t'as dit que t'étais à Yokohama? Non. Hein? Ouais, c'est ça. Et Yellow Works t'a renvoyé? Donc, attends, Kasuga... Bah quoi? Ne me dis pas que tu serais ce même Kasuga qui a fait parler de lui sur la chaîne Tatara? Ah! Ouais, bah, c'est moi. Ah, je le savais. Bah, cette chaîne doit être assez célèbre, hein. Ouais. Elle a dit que t'avais commis des atrocités. Mais honnêtement, j'ai du mal à le croire. Eh ben, je te remercie. Sérieusement, hein, tout ça, c'était des cracks. C'était sûr. Du coup, tu vas devoir l'obliger à publier un démenti. Genre en la contactant en direct ou autre? J'ai essayé, mais elle a jamais répondu à mon message. Et puis, ça me dérange pas de m'être fait virer. Dans l'histoire, je suis pas tout blanc non plus. C'est ce que tu penses vraiment? Ouais. Honnêtement, je me fiche totalement de moi dans cette histoire. Ce qui m'énerve le plus, ce sont toutes ces personnes que j'ai entraînées dans ma chute. On t'a fait vivre un véritable calvaire, mais c'est ce qui arrive aux autres qui te préoccupent. Oh. Bah, ce sont eux qui ont subi un véritable calvaire. Oh, et puis merde. Je vais pas me laisser aller à la déprime avec une vue pareille. On ferait bien de continuer à avancer. Ah non! Qu'est-ce qu'il y a? Kasuga? Un problème, madame? Oui, vous parlez anglais. Mon foulard a été emporté par le vent, il compte beaucoup pour moi. Non, mais vraiment, je suis presque persuadé que le fauteuil roulant dans du sable, c'est pas fou. Son foulard a été emporté par le vent, et elle dit qu'il compte beaucoup pour elle. Maka, c'est ok. Ah, vraiment? Ok, je m'en occupe. Ouh! Attends, Kasuga! Comment ça? Gigi, tu pourrais demander où elle l'a vu atterrir? わかりました. D'accord. Pop, 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 ce style! Du coup, le petit tatouage de Yakuza là. Ah oui, par contre, difficulté de la zone, on est à 5 étoiles, hein, qui est très très bien. Ah oui, du coup, là, va falloir visiter la zone. Mais d'accord. Magasin d'outils, boutique de surf, équipement pour débutants, armement japonais, ok, boutique de t-shirts, boutique de luxe, équipement de sport, armement pour débutants, armes de luxe, boutique de designer, ok, boutique de vêtements décontractés, boutique de luxe, outils surf, ouais. No surf, no life, d'accord. Je pense que vêtements décontractés, on va y faire un tour, hein. Fléchette. Ah, mais c'est grand en fait. Oh, il y a tellement de trucs. Designer, chapelier, boutique de designer, chaussures, sport, danse, boutique hawaïenne, armes de haute qualité, friperie, boutique pour adultes. Ah, bah il y en a ici aussi, très bien. Armes à feu et autodéfense, équipement ménager, armes de haute qualité. Ok, bon, bah faudra qu'on fasse un petit tour avec tout ça. Bon, un foulard, on peut aller dans l'eau? Ou pas? Ah, je vois des trucs dans l'eau en plus.
Un peu plus à l'est. Canette sale, et eh ben super. C'est ça? Bah non, non, c'est pas ça. Non. Un peu plus à l'est. Donc par, pas par là, par là. Un peu plus au large, et je pense que c'est là-bas. Celui-là peut-être? Ah, j'ai raté. Un foulard! C'est sûrement ça. Nickel. C'est un cadeau de son défunt mari. Je suis content qu'on l'ait retrouvé. Hein? Sauter à l'eau comme ça. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Désolé de t'avoir fait peur. Oh, ce tatouage est tellement stylé. Merci d'avoir joué, les navigateurs. La vache, ça faisait un bail que j'avais pas crié comme ça. Et désolé pour ça aussi. Enfin bref, on y va. Habillé comme ça? Ah, ouais, j'ai failli oublier. Attends une minute. Désolé pour l'attente. Là, on peut y aller. Eh, je te suis. Oh, vise la taille de ces palmiers. Quand on me dit Hawaï, je pense exactement à ce genre de palmiers. Des palmiers oscillants sur une mer bleue, voilà qui résume bien la situation. Quelque chose ne va pas. Au Japon, il m'arrive souvent d'arracher un kaki à l'un des arbres du parc. C'est interdit ici? Bah, je sais pas trop, j'y ai jamais réfléchi. Mais je doute qu'on te jette en prison pour ça. Sérieux? C'est bon à savoir. Hein? Ben, c'est qu'une supposition, hein. Ah, attends, qu'est-ce que tu fais? Comment ça? Bah, je cueille quelques fruits. Hein? Pardon? Ah, j'ai vu ça dans un anime quand j'étais gamin. Ça faisait envie. Il va vraiment monter un palmier, là. J'ai toujours voulu essayer. Attends, ils vendent des noix de coco et autres là-bas. Ouais, mais c'est mieux si on se le fait soi-même, non? Ah, j'ai beau vouloir grimper, c'est plus facile à dire qu'à faire. Peut-être qu'en secouant l'arbre un bon coup. Tu plaisantes, j'espère? C'est complètement puéril comme idée. Ça de... Eh, hey, regarde ça! Et que... Oh. Super, c'est même ouverte. Et elle est bien charnue en plus. Allez, c'est parti! Wow! Ah, elle est complètement débile! Eh, ce truc est incroyable! Oh, je suis là en train de m'empiffrer. Tiens, goûte-moi ça! Non, ça ira, merci, sans façon. Allez, faut vraiment que t'essaies! C'est à tomber, mec! T'as la gorge sèche à force d'avoir crié tout à l'heure, non? Étanche ta soif! Hein? Bah, comment tu le sais? Bah, t'as toussé juste avant! Je t'ai entendu tousser à des kilomètres à la ronde. Eh tiens, c'est bien d'essayer de nouvelles choses. Ok, donne-moi ça. Eh, c'est vraiment bon! Je te l'avais bien dit. Si on m'avait dit que je mangerais une noix de coco cueillie sur un arbre. Je me souviens pas de la dernière fois où j'ai fait quelque chose d'aussi. Puéril. Ah, c'est sympa, non? Y a pas de mal à faire l'andouille de temps en temps. Eh, la clé, c'est la modération, je suppose. Enfin bref, on ferait bien d'y aller. La nuit va pas tarder à tomber. Ah oui, c'est vrai. En route alors. Bon bah nickel. Eh, c'est animé par ici. C'est toujours comme ça ici. Il y a aussi beaucoup de boutiques dans le coin. Ah, j'ai vu la carte, ouais. Je dirais que c'est l'endroit parfait où trouver des souvenirs. Et qu'est-ce qu'il y a? Puis, qu'est-ce qui se passe? Ah, des relous, très bien. Ah ça, ils essaient sûrement de l'embarquer. Alors ici, les touristes sont un peu les cibles.
Ah, c'est monnaie courante alors. Mais elle a l'air un peu contrariée, non? Bah tu m'étonnes, oui. Ouais, c'est l'impression que ça donne. C'est bien ce que je me disais. Je pensais que ce serait peut-être différent à l'étranger, mais non. Désolé mec, tu peux pas attendre ici une seconde? Ok. Ah, et Kasuga? Tu vas pas remettre ça? Ah bah si, évidemment. J'ai dit non. Allez bébé, n'aie pas peur. Viens avec nous, on va s'amuser, tu verras. Bonjour, excusez-moi. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je vais te défoncer la gueule! Voilà ce que je veux! Cette. Mince personne là. Comment on dit? Ah oui. Jeune fille! Cette jeune fille là. Elle est perturbée. Pas bien, ok? What? Qu'est-ce qu'il raconte ce gars? Hein? Ah merde, peut-être qu'ils sont nuls en anglais aussi. La jeune fille, elle est perturbée. C'est pas bien. Eh, dégage. Ah ouais, que tu veux que je t'en colle une. Oh. Ah, ça je comprends. L'anglais c'est une chose, mais le langage des points, c'en est une autre. Qu'est-ce que tu fais, Kasuga? Hey G, va faire un tour, ça risque de tâcher un peu. Et maintenant tu joues les téméraires. Ça risque de tourner au vinaigre, alors ne t'approche pas trop. Normalement je m'exécuterai, mais pas question de te laisser en plan. Laisse-moi au moins te soutenir. Sérieux? Bon bah d'accord mon pote. Vous voulez vous battre? Alors amenez-vous. Ce gars se la pète grave hein. Éclatons-le. Mais alors, me soutenir. Oh putain, ce gros plan vibro au secours. Faut vraiment qu'on trouve une autre arme. Attaque plus. Oh d'accord, ça me buff. Ah putain, ils ont bougé. Arrêtez de bouger. Putain, c'est chiant. Vous voulez pas vous aligner 2 minutes? Allez. Bon ben Ah ouais, mais ça c'est en ligne droite, donc là j'ai pas de... Ah là, parfait. Hey, arnaque. Aïe, j'ai pas vu venir le deuxième. Mais tiens, rêve de la... Chance de crit plus. Oh, c'est chiant ça. Aïe. Oh, pop. Ah, vas-y, il s'est décalé. Bon, déjà on va le démonter lui. Voilà. Extorsion. Oh, il m'a volé 5$. Canard. Oh, je me suis relevé pile poil au bon moment. Ah, j'aimerais bien pouvoir l'envoyer sur quelque chose, mais là... Bouf! Ah putain! Mollet! Ok. Oh nice! Oh, un full heal en plus! Aïe! Allez, le poteau! Voilà, le poteau! Ah, raté! Non, mais. Ah, ils sont pas dans ce monstre Jimon! Bon, un monstre Jidex, pardon! My bad. Désolé, mec, on a retenu la leçon, juré! Ils disent avoir retenu la leçon. Suga. Ah, je parie quoi? Ça veut dire que je maîtrise l'anglais ou bien? C'est à moi que tu demandes? Désolé pour tout ça, hein, vous êtes en sécurité maintenant. Pas besoin de nous remercier, hein, c'était pas grand chose. Merci de m'avoir sauvé. Qu'est-ce que vous êtes beau?
Je pourrais peut-être vous remercier. Mon hôtel est juste en bas de la rue. Mais what? Allez, je vous promets qu'on va s'amuser. J'ai fait un coup de main moi aussi, hein. Ah, désolé, il faut croire que j'étais plus son type. Bon, elle apprécie manifestement pas les hommes plus bourrus et plus âgés que moi. Comme moi, pardon. Wouah, l'arnaque, hein. Enfin bref, c'était sympa de profiter un peu de l'île, il est temps de rentrer chez toi, non? Ah non. Si on mange un morceau avant, mais on vient de... Ok. Il va bientôt faire nuit, et il n'y a pas grand chose près de chez moi. Ah bah c'est vrai, tu connais des restos sympas par ici? On pourrait tenter le café là-bas. Leur sandwich, ton salade est à tomber. Easy. Le café, hein. Compris. Je vais nous chercher des sandwichs. Bouge pas d'ici. Merci, c'est gentil. Puis on te laisse avec madame, hein, je... Ah bah le niveau de difficulté est moins haut ici, très bien. Et on est où par rapport à la... Ok, on est un peu plus sur le... Sur le front de mer. Bonjour. Aloha. Machine à café est en cours de maintenance, mais nos sandwichs sont disponibles. Ton maillot... Ah vas-y là... Arrêtez de parler de bouffe. On a acheté deux. Hein. Thank you. Ah bah ça tombe, ici, il laisse trouver n'importe quoi à portée de main. Ah vas-y là, il y avait une mallette. Tant pis. Ah, par contre, avant. Pardon hein, mais voilà. Oh. Tiens mon pote. Arigato gozaimasu. Oh merci. Bon, on a de quoi manger, allons-y. Ouais, d'accord. さすがハワイだな。どうも、なんつうか華やかだ。気に入ってもらえてよかったです。私が普通に歩ければ、もうちょっと紹介できる場所もあったんですけど。んなことはねえって。えいちゃん、車椅子は長いのかい?いえ、仕事帰りに事故にあって、それ以来だから、4、5年ですかね。事故か。 大変だったな。ええ、まあ。春日さんのお友達はどうだったんですか?車椅子。なあ、こっちも事故だな。赤ん坊の頃には歩けなくなっちまったんだ。俺は10代の頃にその人と会って、何年か付きっきりで車椅子を押してた。 俺はその人の足代わりになりたくて必死だった。でも、そんなことあの人は望んじゃいなかった。もう少し早くそのことに気がつけりゃな。春日さん。終わり。独り言だ。大切なお友達なんですね、その方。ね、そうだな。 兄弟みたいなもんだと思ってる。兄弟。こっちが勝手に思ってるだけだけどな。道、こっちでいいんだってか。あ、はい、大丈夫です。よっしゃ。Ça fait vraiment bizarre de voir Ichiban avec les cheveux très courts dans les flashbacks. きっとお友達がたくさんいるんでしょうね。なんていうか、気安く話せる雰囲気がありますよ。ありがとうよ、エイちゃん。もしよかったら、今度日本でダチを紹介するぜ。そんな、私なんかきっとお邪魔ですから。大丈夫だって。どうせ暇しちゃってっからよ。J'aime bien le coin. さっき春日さん言ってましたけど、お住まいは横浜だったんですね。なあ、偉人ちょうだい。 初めてあの町に行った時は俺銃に撃たれたばっかでよ。そこのホームレスに命を助けられたんだ。さすがに今の話盛りました。あ、せっかく raconté comme ça。本当だって、俺
人生で一度も嘘ついたことねんだ。また盛りましたね。ほら、見てみ。ここの胸んとこ、まだ撃たれた傷が残ってんだ。本当だ、それ本当に銃の跡なんですか。おお、その時俺を助けてくれたのがさっき言ってた俺のダチでさ。Donc j'imagine que c'est Namba qui l'a retrouvé. De quoi? きっと気にしてませんよ。優しいこと言ってくれるじゃねえか、エイちゃん。どういたしまして。Je l'aime bien, Eiji, il est cool. En vrai. 春日さん、着きました。ここです。お、ここか。じゃあ、お邪魔するぜ。Bon. Et bah, très bien. Au moins, on sait où dormir, c'est déjà ça.どうだい、エイちゃん。なんとかなりそうかい。今、デジカメの画像を解析にかけてみます。すぐに結果が出ますよ。すげえな。俺はそういうのからっきしでよ。強盗を返り討ちにしちゃう方がすごいですよ。解析終わりました。封筒の住所、読めそうです。おお、すげえ。どうなってんだこりゃ。お役に立ててよかったです。あ、ouais、c'est cette localité là。助かったぜ。ありがとうよ、エイちゃん。な、お。あ、non、hein。あ。あ。お前、タクシー。サビサビ、こいつらで間違いねえんだな、富澤。あ、はい、間違いないです、山井さん。はあ、なんだこいつ。 あれこいつ見た顔だぞ。豊か山井。あ、どこでだっけか。ああ、そうだ、春日だ。春日一番。へえ、驚いたな。お前ら知らねえのか、極道大解散の MVP だよ。え、何しに来やがったお前ら。下手打った強盗が逆切りしてわざわざお礼参りかよ。富澤君のタクシーが札に押収されちゃったんだけど、あれ俺んとこの組で貸してた車なんだよ。組って、ハワイにもヤクザがいんのか。ガイドブックには書いてないだろうな。でだ、弁償してもらいに来たわけ。金持ってるようには見えないけど、あんた健康そうだし、工面はできそうだ。En fait, le mec est très stylé, mais son manteau ruine tout, je trouve. こっちの極道にもそれなりのやり方があんだろうが、今回はどう見ても他と違いだ。弁償なら俺じゃなくてそいつにさせな。それができたら俺も苦労しないんだよな。ちゃんと3食食ってるか。こんな簡単に骨いっちまうなんてかわいそうに。なんてこと。こいつはもともと俺らに借金抱えててよ、稼ぎ口がねえってんで仕事させてたんだ。なのにタクシーまで取られちまって、
そのパソコンも良さそうだな。いい加減にしろ。エイちゃんを巻き込むなんざ、なおさら筋が飛んねえだろうが。あの春日さん、封筒の画像データが PC に、まだコピー取ってないんです。だからこの PC 取られちゃうと。分かった。でも大丈夫だ。エイちゃんに手は出させねえ。やる気満々だな。寒いから早く帰りたいんだけどよ。なあ、その格好は暑くねえのか。寒いよ。ハワイならあったけえと思ったのによ。困った話だ。さあ、始めるか。Bah voilà, là t'es un peu plus stylé. Bon, par contre, ça fait beaucoup de monde. C'est un peu beaucoup. Bon, c'est un peu beaucoup, il y a pas beaucoup de place. Oh, l'agilité, d'accord. Alors, déjà, pour commencer. Olier, Olier. Aïe. 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 Ensuite, je peux pas prendre le bureau là. Non, je peux pas prendre le bureau. Non, j'ai pas accès au meuble. Ah, si, là j'ai un meuble. C'est lui qui attaque derrière. Donc on peut espérer de le one shot pour qu'il attaque pas. Ok, nickel. Nah. Agité au maximum. T'as la musique en vrai là. Allez, on l'envoie sur son pote qui meurt aussi, c'est parfait. Ah merde, trop tôt. Et toi? Ah, la chaise. Ah, je peux rien prendre, chier. Bon bah le mur hein. Bon bah ça va, arrête d'augmenter mon agilité, augmente autre chose un peu. Voilà. Non mais... Bon, il nous envoie le boss. Yutakai Yamai. Non, esquive. Et voilà, let's go, redémarrage du PC. Bon, déjà. Bah, l'envoyer dans le mur, hein, ça me paraît bien. Oh, la gifle d'acier! Ah, il attaque deux fois! Ok, redémarrage terminé, très bien. Qu'est-ce que ça fait? Oh, tiens! Tiens ton fauteuil! Anticipation. Augmente la défense, ça c'est bien! Moi la chaise aussi! Tiens! Tiens! Ah, putain. Bon. Tu veux pas m'envoyer un petit soin là, pépère? Attaque plus. Ouais, c'est bien, non, mais un soin c'est bien aussi. Alors, objet. Bon, c'est un peu du overheal, mais. Trop tôt. Ok. Bon, j'ai plus de meubles. Si, j'ai encore des meubles. Oh, Lucien! Lucien!
Alors, on peut pas envoyer le pot de fleurs, dommage. Le fauteuil là? Non. Enfin, le tabouret non plus. Bon, bah allez, hein. Plus là s'il est loin. En vrai. Bouf! Ok. Aïe! Aïe! On va faire la même, hein. Profiter de la distance. En plus, là, il est bien loin. Putain, mais la musique, par contre. Oh! Ah, lui aussi, il esquive! Double drop kick. Oh vite. Oh. Le respect. Et bah level up. Mon respect sur ton front.追ってが来るとも分からねえ。逃げるぜ。はい。PCは無事です。住所の画像データ守りきりましたよ。今春日さんのスマホに送っておきましたから。本当か？俺のせいで怖い思いさせちまったな。でも根性あるぜ、エイちゃん。そんなやるしかなかったってだけですよ。 やるしかねえ時にやれるのはすげえことだ。ありがとな。イちゃんは俺の恩人だ。春日一番か。 Bon, ben on vient de se faire un ennemi, un de plus. じゃあ、春日さん、お世話になりました。こちらこそだ。本当、世話になったよ。Aちゃんにはすっかり迷惑かけちまって。いや、いいんです、そんな。こっちもなんか、いい経験させてもらいました。自分がヤクザと乱闘するなんて、思いもしなかったですから。 確かにな。それに春日さんは私と自然に接してくれましたよね。車椅子のこと、左利きと右利きの違いくらいに見えてるっていうか、そういうの新鮮で、一緒にいて楽しかったです。参ったな、こりゃ。もっと褒めてくれ。時間さえあれば、いくらでも。じゃあ。 ありがとな、エイちゃん。落ち着いたらまた会おうぜ。ええ、ぜひ。旅のご無事を祈っています。お、元気でね。ボンボヤージ。ええ、ボンボヤージです、春日さん。あいやいやいや。ボン。 Oh, ce coin tranquille. Oh, le plaisir. Clairement. なんて呼び合いんだ？母ちゃん？いや、それはな。
Et en fait, elle est pas là. Akane-san, watashi Kasuga Ichiban to moshimasu. Sawashiro no kashira ni iwaremashite, harubaru Nihon kara mairimashita. Dare? Gomen kudasai. Ruska. Gomen kudasai. Évidemment. Ah. En fait, si. C'est pas le jour des courses, c'est bon. Sur une fin de chapitre. Chapitre 3. L'idiot. Comment ça? Sorede, mega sametara beach ni netetta. What? それも全裸で。はい。でも自分には全く身に覚えがない。What?はい。もう少しマシな言い訳をするか、おとなしく罪を認めてくれねえか。お前みたいな日本人が後を絶たねえおかげで、俺は飯食う暇もねえんだ。 嘘みてえな話だってのは自分でも分かってるよ。だけどしょうがねえだろ。マジな話なんだからよ。薬物反応もなし、ラリって戯けでもなく全裸で往来を持ち歩いたわけだ。変態って言葉は日本発祥らしいが、さすがは本場だ。なあ、聞けよ。だから俺は被害者なんだって。身ぐるみ剥がされたんだよ。 Comment quoi? Comment on en est arrivé là? Le jour précédent. Attends, comment? Pourquoi? お初にお目にかかります。あかれさ。What?どちら様?はい。What? Donc quoi? いや、こりゃうめえや。よかった。ちゃんとした料理を出せなくてごめんなさい。いやいや、すげえごちそうだよ。景色もいいし。それよりすまねえな。
突然押しかけちまってびっくりしました。あかねさんの息子さんだなんて。息子か。どうなんだろうな。自分でも全然実感ねえんだけどよ。そうなんですか。なんせ生まれてこの方、会ったこともなければ顔も見たことなかったからな。それに俺にとっちゃ町のババアたちが母親みたいなもんだった。だから俺にとって茜さんは実の母親っつうよりも俺の大恩人が惚れた人って感じなんだ。だからこいつを茜さんに渡してあげたくてよ。それはその大恩人の位牌なんだ。生きて会うことは叶わなかったけど、せめてね。そう。しかし俺の方こそ驚いたぜ。茜さんにメイドがいるなんて聞いてなかったからよ。メイドっていうほど本格的なやつじゃなくて、買い物とか家事のお手伝いって感じかな。本業は大学生で、留学でこっちの大学に来てるんです。なるほどな。そうだ、名前聞いてなかったな。改めて、俺は春日一番ってんだ。あんたは？千歳って言います。よろしくな、千歳さん。それで、茜さんはいつ帰ってくるんだ？今日は戻らないって聞いてます。帰りは明日になるって。だから今日は泊まっていってください。お部屋も用意しますから。そうか、何から何まですまねえな。いや、明日会うのか。腹くくったつもりだったが、またそわそわしてきたぜはい、お酒でも飲んでリラックスしてください。おお、ありがとうな。Comment on est passé de ça à ce qu'on vient de voir? Pineapple no wine ka. Koryo umai na. Hawaii no kakureta meisan hin na no. Kinitte moraete yokatta. Ya mo, nomu mon kuu mon zenbu umai yo. Sasuga Hawaii da. Ja, sonna Kasuga-san ni totte oki. Ne.ハワイといえばラム酒、サトウキビから作ったお酒ね。これすっごい美味しいの。おいおいおい、こりゃまた強いの来たな。おいおいおい、ラム酒好きなんて千歳さん、あんた相当酒豪なんだな。春日さんこそいい飲みっぷり、体もすごい鍛えてそうだし私マッチョな人好きなんですよね。あ、まあ、ブラボー一番の。そりゃ光栄だ。あの千歳さんよ、ちょいと近くねえか。そう、そうだとも。あんたみたいな素敵な子がそんなんだと、野郎どもを勘違いさせちまうぞ。好きな人とは距離近くなっちゃうんですよね。春日さんいい人そうだし安心しちゃう。なあ、やっぱりすごい鍛えてる。ボクシングとか？いやいや、そんな大層なことはしてねえよ。あ、つか、やっぱ近くて千歳さ。あ、いやいやいやいや。バスコア。おいおい。やっぱり春日さんっていい人。ねえ、春日さん。なんだ。あ、ミスターテッド、こ。茜さん、今日は帰ってこないんだけど。俺は飛んだ過保問題、ハワイに来た甲斐があったって問題。本当に嬉しいぜ千歳さん。でもすまねえ、俺は心に決めた人がいるんだ。恋人さんだったらよかったんだけどな。嫌われちまってよ。なら別にいいじゃない、バレるわけでもないんだし。いや、これは俺の心の問題なんだ。すまねえ。やっぱり春日さんっていい人。
ごめんごめん、今のは情報だ。ちょっと悪乗りしすぎたね。飲み直そっか。はい、改めて乾杯。これさっきのラム酒だよな。大丈夫かな。何言ってんの、男見せろ、カスが一番。よし、そうだな。よっしゃ、乾杯。これは強烈だ。ちとせさん、あんたまだ平気な。Bon, donc elle a pas bu, évidemment. おやすみ、春日さん。Attends, du coup, je me suis retrouvé depuis à l'heure ici, mais genre, tous les gens qui sont autour, ils ont... Y'en a pas un qui percute ? Oh, mais n'empêche, hein. Cet aimant. Oh merde. quand je dis que j'ai un karma de merde. Mais alors lui. Akane-san no ie o sagashiteta dake nante. Akane-san ka. Ikiwakare no hahaoya ni ai ni wazawaza Nippon kara kite, meido ni migurumi hagasareta tte iu no ka? Tanomu kara shinjite kure yo. Shinjite kure? Omae, jibun no jōkyō ga wakatteru no ka? Suppadaka dokoro ka? Saifu mo ID mo passporto mo motte nai. お前はジョン・ドゥってわけだ。日本じゃ七死のゴンベイだったかな。そんな奴の言うことを誰が信用する。えば、スーパーグロスアンビアンス。あとお前にできることと言ったら、その母親ってのに連絡して代わりに罰金を払ってもらうくらいだな。電話くらいは貸してやるぞ。Mais on n'a pas de numéro. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas.どうした？ああ、そうだ、あれがあった。
半年前のことだ。観光地にほど近いリバーストリートで強盗事件があってな。被害者は金品を奪われ、その際全治3ヶ月の大怪我を負わされた。何の話してんだよ。しかし現在まで犯人検挙には至らず、事件は迷宮入りしてる。この凶悪事件の解決は警察の威信に関わるのに。困った話だよな。話が一個に見えねえぞ。簡単だ。お前にその犯人に会ってもらうってな。Sérieux? お前の入国時期を証明する手立ては何もない。筋書きならいくらでもでっち上げられる。市民は凶悪事件の解決を知り安心できるし、警察はその威信を保てる。いいことだらけだろ。てめえ、あった、いいぜ、手を挙げてくれてよ。その方が好都合だ。取り調べ中に暴行に及んだ凶悪犯、俺の筋書きにリアリティが加わる。ドラマはリアリティがないとな。せっかくだ。他にも何件か行き詰まってた事件があるんだ。その辺もお前の仕業ってことにしといてやる。神さんで。そうだな。何、ひっくるめて懲役20年ってとこだ。かたや俺は所長賞は固い、昇格もあるかもな。俺は日本の中でもそこそこ物騒な町で育ったんだがよ、あんたみてえな悪党もなかなかいなかったぜ。そりゃ光栄だ。さ、立て。しばらくは留置場でおとなしくしといてもらうぞ。そうそう、おとなしくしとくのが賢いやり方だ。これ以上罪を重ねたくはねえだろう。さあ来い。はみ、sérieusement。刑事さんよ。ああ、あんたなんで警官になったんだ。そりゃ市民の安全を守るために決まってるだろう。他に何がある。はあ、話にならねえなあ。俺が昔日本でヤクザやってたの知ってるかい。そういや背中にご立派なタトゥーが入ってたな。凶悪犯にはお似合いだ。ヤクザってのはな、法律無視するのに大した抵抗ねえんだ。覚えとけ。ああ、オラッフッホーリーアバヨー。ストップ right there. Hey, we got a runner. 太陽。Bah, c'était sûr que ça allait finir comme ça, hein. Genre vraiment? Ah, genre vraiment! Tony, que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Genre vraiment, c'est moi qui compte, enfin, qui joue là, hein, c'est moi qui dirige. Bon, après, c'est assez dirigiste, on va dire. Je peux pas vraiment tourner où je veux. Quoi? Oh, j'étais pas prêt! J'étais tellement pas prêt. Oh pétard. Donc, on a un Yakuza au cul. On a... faut qu'on retrouve Jacqueline pour retrouver nos fringues. Ouais, super premier jour à Hawaï, hein. Et c'est pas fini. Tac. Hama no eiyu ga nani yatten da.
荒川真澄が泣いてるぞ。Bonjour, monsieur. 久しぶりだな、カスカ。キリュウさんですか？他に誰がいるってんだ？あ、いや、ずいぶん雰囲気が違うから。これでどうだ？本当にキリュウさんだ。でも、なんでこんなとこに？話は後だ。もう片方も外す。手出せ。はい。すげえ。キリュウさん、こんな器用だったんすか？まあな。来い、こっちだ。なんて俺を言っていいのか。キリュウさん、本当にありがとうございました。まったくだ。おかげで俺も逃亡幇助の犯罪者だ。本当に申し訳ありません。冗談だ。はめられたんだってな。とんだ災難だったな。まったくです。それよりどうして俺が捕まってるのが分かったんですか？俺は今ハワイである仕事をしててな。まあ人探しだ。それで街中の情報にはアンテナ立てていてな。たまたまお前のことが耳に入ったんだ。そうだったんすか。キリュウさんがハワイにいてくれて命拾いしました。それにしてもその仕事ってのは。俺が戸籍上死んだことになっているのは知ってるな。はい、ご家族を守るためと。死んだ以上俺はもう存在してはいけない人間だ。だから俺は今ある組織の管理下にある。大道寺一派、日本の政財界に絶大な影響力を持つ、いわゆるフィクサーだ。大道寺一派。俺は一派の命を受けてある仕事についてるんだ。早速ですが、仕事の話です。写真の人物の発見と身柄の確保をお願いします。一派が関わるような人間には見えねえな。何者なんだ？そろそろ懲りてほしいですね。その手の質問に答えたことがありましたか？聞いてみただけだ。パスポートは来週までに用意します。もちろん偽名ですが。パスポート？ええ、その人物はハワイにいるはずです。ハワイ？少しはやる気が出てきましたか？うんふん。それでこっちに。キリュウさん、そんなにハワイに来たかったんですか？まあな。それでさて仕事に取り掛かろうって時にとんだ邪魔が入ったってわけだ。本当にありがとうございました。このご恩はきっちりお返しします。何でも言ってください。負傷活が一番。微力ながらお手伝いさせていただきます。まずは自分の心配をしろ。J'avoue qu'on va peut-être arrêter d'accumuler les problèmes. Ok,
金は貸してやれるが、パスポートまで取られたのは相当厄介だぞ。星の顔はバッチリ覚えてるんで、とっ捕まえて耳揃えて返してもらいますよ。それにあいつに言いてえこともあるんで。居場所は心当たりあんのか。いや、それがさっぱりで、まずは茜さんの家に行ってみるしかないかなと思ってます。なんか手がかりが見つかるかもしれないんで。道順は覚えてるか。え、まあ多分なんとか。なら道案内は頼んだぞ。え、乗せてってもらえるんですか。本当に何から何まで。あ、肩揉みましょうか。事故るからやめてくれ。おお、ありがとうございます。Ah, merci pour les nouvelles fringues, hein, et désolé d'être un tel fardeau. Yeah. Bah, tu peux pas te promener avec ce look de prisonnier, hein. Et à quand on remonte ton dernier pas ? Bah, techniquement la veille. On ferait bien de pas attirer l'attention sur nous. Je connais un endroit où on va pouvoir faire profit bas. Donc, Kazuma Kiryu a rejoint le groupe. That jingle. Ok. Ah, vous rapprochez des taxis ou certains bâtiments peut permettre de débloquer des destinations de déplacement rapide. D'accord. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Et du coup, lui, son job, c'est quoi? C'est dragon de Dojima. D'accord. Voyons voir vite fait. Essence de Tonfa. Capacité transmise de Kiryu par Shoji Yonashiro à Okinawa. Inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis touchés par des anomalies. Ah, d'accord. Et il se bat avec quoi? Amen. Parce que YOLO. Ok, très bien. Bah, écoute, on va te mettre un stuff quelconque hein, pour commencer. Et très bien. Mais ouais, pour le coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette session. Bon, c'était plutôt cool. Ah, les emmerdes s'accumulent. Et on n'est pas plus avancé. Ouais. Ah, quelle idée, hein, vraiment. Ah merde, j'ai créé une nouvelle sauvegarde, j'ai même pas fait gaffe. Ah ouais, du coup, j'ai plus une thune, j'ai plus rien. Super. Ah oui, non, c'est là que ça a fait une sauvegarde en plus. Non, si, ouais, non, j'ai un peu de thune. Ah non, non, c'est bien ça, j'ai plus une thune. Oui, oui, non, c'est bien ça. Ah, et du coup, non, ça s'est pas débloqué, ça. D'accord. Et du coup, Un taxi, c'est mort, ça. C'est quel, celui-là? Boxeur débutant, très bien. Ah, ça, c'est Jean-Michel Huilé. Donc, ça, c'est qui? Ah, le relou. Il sait parler anglais, japonais, il a attaqué Kasuga avec une clavolette B, il a pas l'air habituel à la bagarre, tu m'étonnes. Patriarche de la faction Yamai, derrière son sourire narquois, il prévoit en secret de prendre le contrôle de la pègre hawaïenne. Ouais, c'est bien la gueule du mec. C'est bien le... Ouais. C'est bien le genre. Très bien. Très bien, très bien. Bon bah écoutez, très bien. On va s'arrêter là comme je disais. Bah, j'espère que vous avez passé une bonne... J'ai dit une bonne soirée, non. L'habitude, une bonne après-midi. On se retrouve ce soir pour de nouvelles aventures, donc le bon app et à toutes. Ciao !